Salut tout le monde, c'est Narpi et on se retrouve pour le 20e épisode du Let's Play de GTA V. Et si vous n'avez pas vu l'épisode 19, et ben je vous invite à vous rendre sur le lien qui est juste en bas. Vous avez juste à cliquer sur la vignette et vous allez pouvoir découvrir en exclusivité la sex tape de Poppy Mitchell. Eh oui, c'est une exclusivité Narpi. Et là, ce qu'on va faire, c'est se rendre pour une nouvelle mission assassinat avec Franklin. Mais là ça va, franchement on est tranquille, on a des armes, mais de dingue, c'est trop simple, c'est devenu même trop simple. On peut pas faire le ninja, main nue, non, là c'est fusil de sniper, c'est bazooka, enfin en tout cas avec Trevor, parce que lui c'est un dingue, il fait tout péter. Mais là je ne sais pas qui on va assassiner, et peut-être que cette fois la mission assassinat va avoir une influence sur les... Oui, sur les autres persos, parce que... Lester, c'est quand même un perso qui fait le lien entre les trois, entre Franklin, Trevor et Michael. Alors là, peut-être que ça va influencer Michael et Trevor, on verra bien. Mais là, j'ai regardé dans les statistiques, j'ai le plus joué avec Trevor et le moins avec Franklin. Non, avec Michael. Avec Michael, j'ai le moins joué. Mais attendez, voir là, j'ai l'impression... qu'on se rend ou qu'il y a la grande place. Michael, c'est là que Michael avait rencontré les mecs du FIB. Non, c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir. Alors, on va voir ça. Ah, il y a le téléphone, la cabine téléphonique. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Ah bah le niveau ne monte pas, hein. On est toujours avec des missions à base de putes, de trucs chelous, d'extraterrestres parfois. Non, je rigole, on a quand même fait des missions de haut niveau avec un braquage et puis un sous-marin qui d'ailleurs ne nous a rien rapporté comme argent. Ah, c'était la grosse déception. Enfin bon, là on va... prendre en filature une prostituée pour choper le mec en question. Je regarde sur la carte si c'est loin. Parce que si c'est loin, je coupe. Ouais, je pense qu'on va faire une petite coupure et puis on se retrouve quand je suis près du gros point. Bon, ça a pas servi à grand chose que j'ai coupé la séquence parce que c'était pas si long que ça. Ça y est, on y est. Ah ah. Ok, il faut repérer le conducteur. Bon, on va pas rester sur la route parce que s'il vient par derrière, on est dans le caca. Voilà. On va se mettre à côté de ce canapé. Ok, ah, le voilà. Fils de ton père. Quoique, c'est peut-être pas lui, il faut attendre. Est-ce qu'elle va le repousser? Ah. Ah, le piège. Là, c'était The Trap. Et je me suis pas fait avoir. Pourtant, je suis un gros boulet, mais pas cette fois-ci. Donc, on va attendre gentiment. Est-ce qu'il y en a un autre qui arrive? Allez, vieux. Ramène-toi. Pas normal, ça. Ah, le voilà. Je suis sûr que c'est lui. Oh merde, c'est toujours pas lui! Shit man! Ah! Le padre, t'es arrivé! Eh ouais, c'est lui. Bon, on va le défoncer. Je vais me placer à côté de lui.
Oh, c'est un fail. Putain, il me tire dessus en plus. Il est armé ce motherfucker. Wow, 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 va m'avoir. Oh no, oh no, 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 no. On va récupérer, on va récupérer. Vas-y, récupère. Putain, c'est pas évident en moto. Hein. J'aurais dû prendre une bagnole. Putain, il me trace en plus, il me trace. Non, je veux pas perdre la mission. Attends-moi. Vas-y, on peut le rattraper. C'est bon, c'est bon. J'ai récupéré. Je vais le choper. Je vais faire sa fête. Mais je le vois plus là. Ouah, mais non. Cette caméra de ouf. Oh, c'est loupé. Ok, cette fois-ci on gère. On attend le bon moment. Dès qu'elle pose ses pieds dedans, c'est parti. Vas-y, passe en point rouge. Faut que le point change. Arrête-toi, connard. Ah merde. Ça s'arrête pas, putain. Ouais. Wow, pop, 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 pop. Putain, je vais récupérer la bitch. Ah merde, je peux pas. Bon, ben, je reprends la moto. Allez, on se casse. Bon, ça a été, finalement, ça a été. Aucun problème. Petit looping. Yes. Non, même pas. Oi, 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 oi. Mission accomplie. Ouais, résultat or, même si j'ai recommencé. Trop bien. Ah oui, là, j'ai géré, mais en quelques secondes. C'était en quelques secondes. Oui, oui, oui. Bon, les petits amis, on va se rendre à un autre point. Mais là, comme je me suis planté, bah, je suis loin de la route. Où est-ce que je suis, là? Des voitures? Oui, toi. Salut gros, je prends ta caisse. Je te la rendrai jamais. Bon. Quel est le point le plus proche? Est-ce qu'on continue avec un assassinat? Ah, il y a un point d'interrogation. Je veux aller voir ça. On va voir ça tout de suite. Je suis sûr que je peux couper par là. Oh oui. Ah non, non, c'est la voie de train. Merde. Bon, ben on descend. Désolé les gens, c'est trempé. Zut. Zut, zut, zut. Oh! Bon ben, il ne reste plus qu'à sortir. Pour une autre bagnole. Et puis on va se retrouver sur ce point magique. A tout de suite. Ah! Il est en dessous le point. Yo! Comme du caca. Salut gros! That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny, motherfucker. Hein? Ça a lancé une course? Parce que là, j'ai pas de voiture, hein. Ouais, je vais prendre celle-ci. Ah, faut aller à la course, ok. Putain, les boules, j'aurais pu prendre une bagnole de Bourges en sortant de chez Franklin. Tiens, je vais prendre celle-ci. C'est pas la plus géniale, mais c'est déjà mieux. J'arriverai à passer les vitesses plus rapidement. Avec de la chance. Bon, la couleur laisse à désirer, mais ça fera l'affaire. Et c'est ici. Wyan Beach? Non, pas le temps pour ça. C'est parti, vous êtes prêts? Ouais! What's up? Je vais vous niquer. Toi, allez, tu sors de la route? Voilà! Et moi aussi! Oh shit. Bah c'est bon, l'IA va freiner à force de me voir derrière. Bon, je gagne. J'espère.
Tiens, je te barre la route. Ça, tu te manges le mur. Ouh! Oi, 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 oi. Ils sont bourrés ou quoi? Hein, voilà, il y a Dato le froissé et moi je suis premier! Ou pas? Putain! Il y a des panneaux qui sont destructibles, mais celui-ci il fallait qu'il soit là et pas destructible bien entendu. C'est bon là, j'y rattrape. C'est bon, tranquille. Et il y a certainement deux tours. Donc, on est bien. Tout bien, tout bien. C'est une promenade de santé! Tiens, j'en profite pour vous dire que j'ai posté un nouveau défi. Enfin, il va être posté parce que je sais pas selon la programmation s'il sera en ligne. Mais en tout cas, c'est dans cette semaine-ci. Un défi où je dois déposer un bus dans un train. Alors, est-ce que c'est possible? Très bonne question, mais je vous invite à voir cette vidéo. Pour un petit délire. Et là, j'ai défoncé ma bagnole, mais c'est un truc de dingue. Elle tangue maintenant à droite. C'est génial. Elle va arriver, il restera plus qu'une roue. Là, je suis à l'aise, hein, ils sont loin. Je peux me manger un poteau. Ils me rattraperont pas. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Voilà, putain. Putain. Oh, yeah, yeah, yeah. Là, j'ai perdu en vitesse. Ma bagnole va plus très vite. Ouais, c'est bon. Ah oui, regardez, je vais moins vite que lui. Parce que mes roues sont défoncées. Moi, je peux prendre les virages plus serrés. Allez, freine. Ralentis. Fais tout ce que tu veux, mais gagne pas la course. Voilà. C'est bon. Et voilà. Avec tonton Harpy, on arrive toujours sur la ligne d'arrivée, mais en petits morceaux. Course parfaite. Bah, qu'est-ce que t'entends par course parfaite? Moi, j'en sais rien. Bon, bah voilà. On va sortir. Regardez-moi l'état de la bagnole, quoi. Non, mais la roue, là, elle est défoncée. Y a plus de capot. Ça va bientôt péter, quoi. Bon, une autre bagnole. Ah, un vieux taco. Bon, ça suffira pour se rendre à une autre course. Ou une autre mission. Le tout, c'est de trouver ce qui rapporte le plus de pognon. Voyons la carte. Alors, le dé, il est pas si loin que ça. Donc on va s'y rendre. Ah, mais oui, j'en connais cet endroit. Je suis allé tellement souvent que je savais même pas que c'était là qu'on allait se rendre. Enfin bref. Oh non, c'est Trevor. On se casse. Ah. Okay, booting up. You can use the stick to move the camera. Zoom in and out. It'll pick up pedestrians carrying the 2012 SA state license. Okay. J'ai l'impression de jouer à Battlefield. Un marqueur bleu sur l'ATH indique la position d'une personne. D'accord. Alors il faut que je trouve la position de Franklin, c'est par là. Franklin, il est là. Maintenez RT en zoomant sur une cible pour lancer un scan de police. D'accord. Ah, c'est quand tu veux. Ah, c'est hors de portée. Hors de portée, plus près. Là. Non. Bon. Pourquoi ça veut pas? Ah, si, ça y est, scan en cours. Attentat à la pudeur. Ah yeah. Ah, j'aurais jamais pensé ça. Pour Trevor, ça m'aurait pas surpris. Mais Franklin,
cache des choses. Ok, donc c'est parti, il y a d'autres points maintenant à scanner. Scanner les cibles à Awick. Ok, je vais dézoomer parce que sinon on va pas y arriver. Oh yeah, c'est loin. Pourquoi d'y arriver, hein? Bon, le premier point que je pourrais scanner, c'est celui-ci à mon avis. Les autres, ils ont l'air derrière les bâtiments. Alors le temps qui tourne avec l'hélico. Là par contre c'est pas bon, je peux pas la... Non, je suis hors de portée. Il faut tourner un peu à gauche. Allez, qu'est-ce que tu fais, Franklin? Franklin, Trevor. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait, Franklin? Maintenez RB pour écouter les conversations à bonne distance. Ok. Où ça? Où est-ce qu'il a vu ça, lui? Ah. Ok, ça c'est fait. Voilà. Oh, on n'a pas trouvé le suspect. À l'est, d'accord. Voyons, qu'est-ce qui se passe par là? Oh, et le point, il y a énormément de points. Oh ouais. Ah, génial. C'est ce fumier. Alors, il faut que je suis pour voir où il a garé sa voiture. D'accord. Bon, s'il se dirige vers là, à mon avis, elle est par là, sa bagnole. Non. Elle doit être derrière ce bâtiment, juste là. Oh oh. C'est Shop? Non, c'est pas Shop. Ah, même pas, il m'a trollé. Je me suis fait troller. Merde, je vois plus. Oh là là. Oui, mais de quel côté? Ah, le voilà. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas, sale enfoiré? Montre-moi ta caisse. Non, toujours pas de véhicule en visuel. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Oh yeah! Il fait un détour, monstre. Ah! Il a rangé dans le garage, c'est pas devant le garage. Merde, il prend la fuite. Est-ce que je dois switcher sur Franklin? Non. Vas-y, Franklin, poursuis-le! Ouais, oh, il se fout dans la merde. Il va faire un accident, ce con. Il est là, il est là. Oh,
Wouhou. Ah merde, je vois plus. S'il est là. L'humour à la Trevor, ça passe pas pour Franklin. Wow, ça a niqué. Je vois pas Franklin dans la zone. Qu'est-ce qu'il fout, bordel? Ok. Bon bah si tu le vois, tant mieux. Ah, si, Franklin il est derrière. Avec la voiture blanche. Oh putain, ça lui pose problème là, le carnage qu'il est en train de faire, l'autre gogol. C'est bon, je suis toujours sur lui. Y'a aucun souci. Prends ton temps, mon vieux. Oh putain. Ok, comment qu'il a coupé. Il est passé devant Life Invader. Il va faire un accident. Hein. Il est dans une ruelle. Ça remonte vers où? Ah, oh, il rentre dans un parking. Voilà, il est foutu là, il est cuit. Hein. Allez, laisse-moi switcher, je prends Franklin et je dégomme. Oui, où est-ce qu'il est? Vision thermique. Ok. Ah, est-ce que c'est lui? Ou alors lui, parce qu'il est assis. Ouais, ouais, on te voit. Ça doit être Franklin. Non, je pense pas que c'est lui. Non, à mon avis, c'est pas lui. Ah, donc c'est pas lui. Ok, bah c'est certainement lui. Il a dû rester assis dans sa bagnole. C'est sûr. Oh merde! Alors c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il... Non mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça peut pas être lui. Là t'es visible hein. Non c'est pas lui. Ah oui putain. Il doit se planquer quelque part cet enfoiré. Ah. Non attendez voir. Là. Là. Non quoique. Là j'ai la vision thermique et je vois qu'il y a une fourgonnette. Ah, bah si, ça doit être lui. Ah, ok, c'était un trompe-l'œil. Monter dans la Z-Type. Ok. Ah, on devait récupérer un véhicule pour Molly, oui. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Alright. Hey, puissante cette bagnole, hein? Delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just a dick who ain't paying us till we... Je vais essayer de parier cette magnifique Z-Type. Pour espérer gagner plus. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all, her. God, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello.
Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. So, the old hanging... Oh! J'ai les flics aux fesses. Bah là, ça clignote, mais sur la carte, c'était... C'était en couleur. Non, mais là, c'est bon, je vois pas d'icône de flic. Mais du coup, je sais plus c'est quoi le trajet. Je dois être sur la bonne route. On va attendre gentiment ici. Parce que j'ai aucune idée de où ça se situe. Mais je crois que c'est loin. Hein. Ça m'a l'air très très loin. Allez, plus vite, plus vite. Les flics se rapprochent. Non. Non, ça va. C'est une impression quand on a la carte qui est comme ça. Derrière le véhicule. Mais sinon... est-ce que je peux... Merde. Ah non, il y a quand même un flic qui se rapproche, putain. Je me casse. Ouais, là, je suis encerclé maintenant. Fais chier. Je suis trop visible ici. Si je pouvais me mettre sur un parking, l'indicateur descendrait plus vite. Ah, ça y est. Eh oui, je me suis planté. Bon. Demi-tour. Je regarde sur la carte pour voir où ça se situe. Non, ça va, c'est pas si loin que ça. C'est juste que là, du coup, le petit détour fait perdre du temps. Ouais, j'aurais pu tourner là, mais non. Non, on va y aller tranquillement. On a le temps. Voilà. Ouais, en fait, j'avais bon. C'est juste que j'ai pas tourné tout de suite à droite. De toute façon, on va s'arrêter là, les amis. Enfin, dès que j'ai terminé... Oh, merde. Merde, merde, merde. Voilà, je parle. Et je fais du caca. Du caca! Est-ce qu'elle est abîmée? Oh, pas tant que ça. Mais bon, pour le jeu, ça comptera quand même comme... Hop. Comme elle est pas en état. Pas état neuf, tant pis. Mais non, mais qu'est-ce que je fous? Non, c'est juste. Je pouvais aussi passer par en haut, mais après, pour descendre, galère. Hein. Donc voilà, on y est, c'est à l'aéroport. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Merci. Putain, il a un sacré hangar. Ah, je vois le point jaune. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Donc, je vous dis à très très bientôt. Merci de suivre ce Let's Play. Aimez et commentez cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Allez, ciao, bye bye. You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one day, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh, man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah. Just take any car and go. Hey, t'as aimé cette vidéo de GTA V? Alors tu vas aimer les suivantes, j'en propose d'autres sur ma chaîne. Je propose également d'autres let's play sur différents jeux. Alors comme ça tu peux varier les plaisirs. En tout cas, moi je te conseille de t'abonner à ma chaîne pour voir l'actualité. Tu peux également rejoindre ma page Facebook si tu veux. Et puis aime et partage cette vidéo, ça me fera super plaisir. Allez, ciao.